Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon. Et comme vous pouvez le voir, on a un coffret de l'édition Destinée Radieuse. Cette édition EB0 4.5 d'épée et bouclier qui vient juste de sortir le 19 février 2021. Donc on va ouvrir ce coffret, ce petit coffret. Donc c'est le coffret M. Glaket de Galar. Un coffret donc... Hop, qui contient. Alors, qu'est-ce que ça contient? Collection folle, aventure et pins. Donc, cette nouvelle édition 4.5, nous souvent, c'est des cartes qui sont... c'est des cartes où il doit y avoir 80 cartes dans la famille, et il y a toujours des très très belles cartes dans ces éditions 4 points et quelques. Donc, ça nous dit que dans le coffret, il y a une carte promo brillante, de M. Glaket de Galar, un pins coloré, 3 boosters destinés radieuses, et une carte à code. Donc, on va ouvrir ce petit coffret, et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti, doucement le coffret, pas l'abîmer. Et voilà. Ah ouais, donc là, on va. C'est sympa, c'est toujours sympa ces petits coffrets. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a en premier cette fameuse carte promo M. Glaket de Galar. Elle est magnifique. Alors, le dessin est super, super joli. Et on a ce petit pins. Ah oui. En fait, c'est le pins qui a l'effigie de la carte. C'est marrant. Alors pour la collection, c'est plutôt sympa, ces petits pins. Hop. Augmenter un peu la collection. On va mettre là. Et on a donc, alors, en premier, on va sortir cette carte. La carte code. Que l'on a ici, qu'on va garder là. Et ces 3 boosters destinés radieuses. La nouvelle édition qui vient juste de sortir. Je suis bien content de vous présenter... Cette ouverture de boîte. C'est des éditions intermédiaires qui sortent au milieu des autres éditions, puisque pour la prochaine édition des 5.0, donc épée bouclier 5.0 sortira le 19 mars, donc dans un mois. Donc c'est parti, on va ouvrir le premier booster, découvrir les cartes de cette nouvelle édition. Voilà. Hop, c'est parti, donc la carte à code, je l'enlève. Et on a, hop, la carte énergie. Voilà, blanc coton. Alors ça, je précise, j'avais pas précisé, c'est un coffret quand même en version française cette fois. Allez, on va aller voir le petit logo de cette édition 4.5. Il est ici. Hop. Et donc, vous voyez, il y a 72 cartes dans cette édition. Il y en a un peu plus, parce qu'après, il y a des cartes extra, des cartes ultra rares en plus. Donc, on va faire défiler les cartes. Nigosier. C'est les cartes communes. Balle masquée. Ça, c'est les cartes une commune, pardon. Et là, les cartes communes. Morpeko. Mimigal. Mustéboué. Brindibou. Craquenois. Et maintenant on a la reverse. Et flèche, c'est une peu commune reverse. Elle est magnifique. Et la rare, on a... Ouh! Une full art. Ouh, la 68. Dresseur d'arène. Ah, super, ça commence très très bien. Comme vous pouvez le voir, la 68 sur 72, elle est magnifique. Alors là, c'est vraiment une carte, une très 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 belle carte. Super, alors ça, premier booster, on fait très fort. Je me dis que là, on est bien parti, ça va être une super boîte. On va ouvrir un deuxième booster. Qu'est-ce qu'on va découvrir à l'intérieur? Donc, en premier, la carte à code. C'est parti. Alors, l'énergie. On va laisser cette carte-là, magnifique carte. Vraiment super belle. Alors l'énergie, on va l'enlever. Et on a dresseur d'arène. Je vais faire comme ça, ça va être plus simple. Hop, celle-là, on va la laisser là. Je vais enlever l'autre énergie. Et c'est parti. Bannière de la Timiel. Luxio. Kéléocroc. Goupilou. Wistempo. Ça c'est commune. Morpeko. Et Yanma. Et on a en... Ouh!
une rare holo. C'est bizarre parce que je me disais, à la place de la River, c'est une rare holo. Mais c'est quoi? C'est une promo? C'est bizarre. Elle est bizarre. On peut voir, c'est SV049 sur SV122. C'est une carte promo. Oh, c'est bizarre cette histoire. C'est assez bizarre parce que c'est une carte extra. Après les fameux 72, elles ont des numéros qui... SV049 sur SV122, ça veut dire qu'il y a 122 cartes en plus. Bon, voilà, je suis surpris. Ouh là 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 là, Morpeko VMAX. Non mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? Oh c'est... Oh mais ce truc de fou. Alors là, c'est incroyable, incroyable. Donc dans ce booster, il n'y avait pas de... Pas de carte reverse, mais alors déjà en deux boosters, on a Morpeko VMAX, c'est la 38, et Dresseur d'arène. Alors on va les mettre là. Alors ça c'est fort, ça c'est fort. Et on va ouvrir le troisième booster. Alors là c'est assez rare d'avoir autant de belles cartes en si peu de boosters. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans ce troisième booster de l'édition? On va ouvrir celle-là. Hop. Et on va faire défiler les cartes énergie en premier. Épirouillé en dresseur. C'est sympa parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes différentes. Must et flotte. Donc sur les 72, si on pourrait en avoir un paquet différent, c'est pas mal. Et flèche. Ah bah on va en reverse dans le premier booster. Must et boué. Brindibou. Celle-là, on l'a eu déjà, je crois. Craquenois. Frissoni. Wistempo. Et on a. Oh, à nouveau une carte comme ça. SV097 sur la 122. Ah, c'est une rare. Mais qu'est-ce que c'est que ces cartes? Une holo rare. Et on a en une rare dresseur. Recherche professorale. Eh bien écoutez les amis, je découvre en même temps que vous ces fameuses cartes de cette nouvelle édition 4.5. Et là, alors là, on a eu dans ce petit coffret, un coffret quand même qui est M Glaquette de Galard, un petit coffret avec trois boosters, une petite carte sympa, promo, celle-là, M Glaquette de Galard avec le pins, sympa, c'est le petit lien. Et puis on a eu aussi ces deux cartes-là, qui sont des rares holographiques, avec des particulières. Je vois qu'il y a un code sur 122, je ne sais pas si c'est juste de cette édition-là, SV. Ou c'est sur toutes les éditions qui vont sortir ces 122 cartes et qu'il y en aura de temps en temps dans les boosters. Ça, il faudrait que je me renseigne pour ça. Et on a eu donc ces deux fameuses cartes et aussi, alors là c'est carrément une VMAX et un dresseur full art. Alors là les amis, c'est très très fort, vraiment vraiment beaucoup de chance dans cette boîte. Voilà, je crois que là c'est une très belle photo de fin pour terminer cette vidéo. Franchement, on était gâtés, voilà les amis. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle ouverture de boîte Pokémon. J'en ai d'autres sous la main pour cette nouvelle édition destinée radieuse. À bientôt.